Bonsoir. Allô, allô. Bon, alors, je l'annonce maintenant. Comme ça au moins, ça sera la surprise pour certains et l'incompréhension totale pour d'autres. J'ai fait la reine en off parce que j'ai mis du temps. Et donc je vous la passerai pendant la pause de 10h30, un truc du genre. Ok? Puis même si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, c'est forcé. Donc voilà, pour la petite présentation quand même. Bonjour tout le monde, ici Yakupon pour de nouvelles aventures sur Hollow Knight via le stream Diva Sound Studio. Voilà. Voilà. Donc maintenant on peut repartir, on peut faire des choses. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller chez les méduses pour traverser le truc noir, ça pourrait être une idée. Mais d'abord, on va aller d'abord. Ah ben en fait, on va aller à Verchemin. On va essayer d'aller au lac. On va faire ça. On va aller au lac, on va descendre. On va aller là. Puis ensuite, on va à Brume Canyon. On essaye de voir le truc noir. Puis on passera au jardin de la reine parce qu'il y a un truc qui nous manque. Voire deux. On verra. Ensuite, on verra les derniers endroits qu'on n'a pas explorés. Genre vraiment vite fait, hein, on va pas non plus s'embêter. Puis on ira voir s'il n'y a pas un ou deux boss qui nous manquent pour les essences, parce que j'en ai besoin. On ira voir ici, là, en plein milieu de mon écran, parce qu'il y a une porte, et je pense qu'on peut y aller. Même si en dessous, il y a des pots à larves aux merdes et que je comprends pas à quoi ils servent, on ira par là. Il faudra que je revérifie à la couronne d'Alonès s'il y a quelque chose ou pas du tout. Parce que je suis un peu choqué. Et peut-être voir à la passe du roi, parce qu'on dirait qu'il y a des choses que l'on peut faire. Tout simplement. Bon voilà, gros programme ce soir. Encore de l'explo, hein, tout ça, tout ça. Et on est parti. Allez, c'est parti. Donc on est à Verchemin et on doit aller au lac Dune. On va faire ça. On va d'abord commencer par ça. Je crois qu'il faut que je me tape tout le tour par contre. Ouais, enfin tout le tour vite fait. Parce que je me rappelle qu'au lac Dune, il y avait. En fait, c'est quand j'ai fait le off de l'arène, je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais loupés en regardant la carte comme il faut. Comme ça, moi, je me suis dit, quitte à faire une espèce de planning pour. Pardon, pour. Comment dire? Pour essayer de faire un truc intéressant, quoi. Et essayer de ne pas me perdre. Eh bien, je me suis rappelé toutes les zones où il y avait de l'acide ou plein de trucs qu'on n'a pas passé avant. Comme ça, au moins, on est tranquille et on peut faire les choses comme on veut. Et on a une espèce de gros planning. Donc, le lac Dune. Qu'est-ce qu'il y a ici? Absolument rien. Bidouf, bidouf. Bon, on va pas s'emmerder, hein. Mais encore. On peut passer en dessous? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, ben voilà, un petit passage secret. Il y a des ronces. Enfin, c'est pas des ronces, c'est des espèces de vieilles lianes, là. C'est bizarre quand même comme ambiance, c'est très sombre. J'ai pas encore envie de tomber sur mon frère. Comment il avait appelé ça la dernière fois, Horace? Le frère araignée crabe. J'ai pas envie de retomber là-dessus. Mais bon, on va voir. S'il faut, on va flipper. S'il faut, on va pas flipper. C'est pourquoi ça? Ah.
J'aime bien ces pseudo-raccourcis, quoi. Enfin, c'est pas comme si c'était la mort de refaire. Oh là! Qu'est-ce qu'on fait là? On vole! On va voir ce qu'il y a là-bas. Ok, bonjour. Ah! La forme d'une. Merci! Mais j'aurais bien voulu un dialogue, quelque chose. Bon, c'est pas grave. Ben, nous remercions cette. cette larve bizarre. Ok. Ben, ça fait partie des badges que j'ai loupés. Bon, mais c'est cool. Eh ben, on s'en va gentiment. Ils sont plutôt sympas, les. Certains monstres ici sont sympas hein, dans le jeu. On pourra dire ce qu'on veut, on est quand même pas trop mal reçus. Allez. Attends, c'est un monstre ça ou pas? Parce que s'il rentre dans mon vestiaire, je suis content. Ouais, super, ça rentrait dans le vestiaire en plus. C'est bon ça. Paf, l'oiseau. Oui! On traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Ah là là. Grosse chanson. Oh, mais ça c'est fait, c'est déjà pas mal. Nous allons mettre une petite croix sur le post-it. Le post-it où on a tout le programme du jour. Je sais, ça casse la magie, mais tant pis. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors ensuite, on va en dessous. Attends, on peut one-shot ces vieux monstres. Oh, les fleurs. J'avais oublié qu'elles existaient. La la la, la la la, la la. Ah, j'aime beaucoup cette musique. Bon, sinon, c'est pas très bavard aujourd'hui. Comment ça va? Tout ça, la vie, le pseudo bon temps, je sais pas, racontez-nous. Merde. Eh bien, tant pis, restons dans. Dans le silence pesant de Hollow Knight. Ça ne me dérange pas. Paf, pif, pouf, paf. Ensuite, on va en dessous. Non. Bah, si, on va sauvegarder vite fait. Allez. Le petit banc. Carte mise à jour. Ah. En plus, ça nous. Ah ouais, ça nous met qu'on est allé plus loin. D'accord. Donc en fait, tous les contours de la map, ben on sait pas s'il y a des passages secrets comme celui-ci, quoi. Ça va être violent. Paf. On va aller là. Parce que j'ai plus ce qu'il y avait ici et ça me dérange. Ces trucs là, on y était allé ici ou pas? Je sais plus. Le sanctuaire de pierre. Bah, ça me dit quelque chose, mais. Pourquoi tout devient si sombre? Je sais pas où on va. Peut-être là? Ah non, on n'était pas venu là. Bon. Ça, c'est cool.
Il y a peut-être d'hostels cachés où il y a des trucs. La preuve. La preuve, parce que sinon on aurait vu tout ça. Non, là c'est vraiment un trou pour un trou. Ok. Bon, là il n'y a rien. Et là on revient sur ces plateformes. Oh putain! Bonsoir? Mon enfant, peux-tu toujours voir sur le top lane? Ne me fais pas de mal. Sans yeux, d'accord. Mon petit, tu ne peux pas dormir avec tes yeux ouverts. Mon petit, tu ne peux pas rêver si tu respires encore, quoi. Précieux enfant, vous dites des choses si horribles durant votre sommeil. Ouais. Précieux enfant, un monstre est venu pour nous dans l'obscurité. De l'obscurité, oula. Chanterez-vous pour moi? Ben on va le défier parce qu'il nous manque de l'essence, mais ses propos sont très dérangeants. Oh putain, cette musique. Ah, c'est dérangeant! Si vous voulez faire des cauchemars, c'est pratique. Pour l'instant, il est pas très... Aïe. Oh là là! Mais putain, mais... J'ai de la mouise entre les doigts, là, ce soir, ou quoi? Il est où? Il s'est épais, c'est chiant, ça. Ah, il est là. Non, il ne l'est plus. Putain. C'est ultra chiant. Comment j'ai fait pour rebondir? C'est pas grave. Merde. Ah, c'est dérangeant. Le pire, c'est que je risque de mourir en fait sur ces conneries. Mais il faut le toucher encore combien de fois? Parce qu'il y a de plus en plus d'armes. Ok, cool. D'accord, merci la vieille. L'un après l'autre, les yeux se ferment enfin. Oui, il m'était impossible de le voir, mais je pouvais ressentir un calme serein. Nous envelopper, pardon. Je suis navré d'avoir eu peur de toi. Vous nous avez toujours protégés, même quand nous ne pouvions pas vous voir. S'il vous plaît, amenez-nous là-bas, dans un lieu où la lumière ne peut pas nous hanter. Un lieu sans rêve, mes enfants et moi, s'il vous plaît. Alors, c'était vraiment dérangeant, hein. Cool, on est à 1800. Ouais. Un visage taillé dans la pierre. Oui, bon, ça on avait remarqué, merci. C'était quand même un peu bizarre, mais bon, écoutez. Ça c'est fait. Ok, bon, donc j'avais une bonne intuition quand j'ai dit qu'il fallait aller là. Ça sert de revoir ce qu'on a fait avant dans les lives. Ça fait beaucoup d'heures à regarder, beaucoup d'heures à enregistrer, mais au moins je sais ce que j'ai loupé. Allez, on descend. Tu m'as fait peur, toi. Maintenant, on va chercher la petite colonne noire. La petite robe noire. La pub. Alors, où sont les colonnes noires? Parce que je m'en souviens plus très bien. Je crois qu'elles sont là. Hein. Ouais. Je veux voir. Non, c'est, il y avait juste une colonne noire et il n'y a rien d'autre. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à visiter? Ah oui, il faut aller au jardin de la reine. Bon, maintenant qu'on a vu qu'ici, il n'y avait pas grand-chose de très... Héhé! Il n'y a absolument rien de dérangeant. C'est très calme ce soir, c'est bizarre.
Alors, est-ce qu'on retourne là-bas pour aller dans le jardin de la reine? La réponse est oui. Merde. Ah, mais c'est vrai, je peux aller dans l'eau. Putain, je suis con. Oui, on va aller là, ouais. On va passer à aller chercher les... Les... Comment ça s'appelle? Merde, les cœurs bleus. Tant qu'à être là. Merde. S'ils sont pas très loin à aller chercher. Je m'en souviens plus. Ah, on peut pas monter. Ah, bah si. Voilà, au moins on a des petits corbes là. Ça peut toujours être utile. Si je fais le con, surtout. Allez, on va dans les jardins de la reine. Voir la colonne noire. Qui était ici. Ici, on y allait. Hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, ça me dit. Oui, ici on y est déjà allé. J'en suis certain, oui. Excusez-moi. Ah, ok. Ok. Bon, ici on y est allé. Et elle est où la colonne noire? Ça m'intrigue. Y'a rien là? Non. Elle est là sur le côté, non? Oui. En fait, il n'y avait rien. On n'entendait pas l'arbre-merde par là? Je m'en souviens plus. Bon, bah, cette colonne noire, c'est fait. Ensuite, il faut qu'on aille au mont Cristal. Merde. Fallait qu'on tombe ici. Parce que... Attendez, non, il y avait un truc à faire ici. Oui. C'est, je me suis dit, il faut regarder. Non, mais les mecs, ils disent n'importe quoi. Attends, il y avait des œufs là? Ouais. On l'a déjà pris. Doudoudou. Avec les fameuses menthes religieuses. Mais où est Orès pour les encourager? Hein? Il est où Orès? Pour encourager les vilaines menthes religieuses. Adonde esta el Orès. Voilà. Ce bruit quoi. Fouic! Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Eh, c'est pas possible, tu vas te calmer ce soir ou... Ah, là par contre, juste devant. Mais ils m'ont servi mes cœurs bleus, hein, n'est-ce pas? Eh merde. Ah, je suis trop pressé. Putain, ça fait deux fois que je vais trop loin, quoi. Voilà. S'il faut, en plus, c'est même pas par là et je fais n'importe quoi. Si, c'est par là. Mais pourquoi on est pas allé là? Ah, voilà pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un chemin à peu près là-haut. Pas possible d'être aussi bête, hein. Allez, retourne-y parce que tu es con. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un combat. Hey, salut! Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle se bat avec moi! Merde! C'est cool! Vas-y, martyrise-les! J'ai oublié son nom. Nosque, Tosque. Oh merde! Aide-moi!
Elle va nous pisser à la gueule. Pourquoi je tombe dessus, moi? Elle fait rien. Non! 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 Oh, oui! Bats-toi! Yugi! Non, elle est morte! Exécution. Non! Elle est morte pour nous sauver! Oh non! C'est pas cool, putain! Pourquoi tous les gens que je connais dans le jeu, eh bien, ils meurent? Pourquoi? Faut dire que ce soit toujours aussi dur. Ah, je veux le tenter. Ouais. Non, y'a rien. J'ai peur que... Non, y'a rien. Bon. Mais putain, mais non! Mais ma copine! Elle était bien et tout, faudrait se battre. Pour une fois que les montres religieuses elles font quelque chose de leur vie, putain! Bonjour! Protéger. Mais apparemment, t'as pas trop réussi à protéger. C'est quoi ce bruit? Ah! Leur vos merde! Mais comment je fais? Mais... Y'a leur vos merdes. Bon, on va rentrer là, peut-être que... Peut-être que je l'aurai par là. Oh, mais leur vos... Merde. Mais ma copine, putain, tous mes amis meurent. Je suis pas très content de ce constat-là. Genre que tous mes amis meurent un par un. On arrive très très peu à avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Oh, quelqu'un arrive. Dame Blanche. Il vient de loin pour me trouver. Recherche-t-il mon aide? Peut-être est-ce par simple chance que le chemin l'a guidé jusqu'à cet endroit si intéressant? Un petit peu, je l'avoue. Il est vrai que vous étiez attendu. Non, peut-être que c'est inexact. Je devrais plutôt dire qu'un être véritable comme vous était attendu. J'ai un cadeau que j'ai gardé pendant très longtemps pour une personne comme toi. La moitié d'un tout. Quand les deux moitiés sont unies, une grande puissance est accordée à son porteur et sur le chemin qu'il reste à parcourir, une grande puissance il aura besoin. D'accord? Qu'est-ce que tu me donnes? Oh là, qu'est-ce que j'ai débloqué? Qu'est-ce que c'est? Un fragment blanc. Bonsoir. Cela a affronté l'enfant femelle. C'est une ennemie redoutable. Forte de caractère et de corps. Tout le portrait craché de sa mère. Bien qu'elles n'ont eu que très peu de temps à partager ensemble. Je n'ai jamais retenu l'indiscrétion du Wyrm contre lui. En fait, je ressens une certaine affection pour la créature qui en est née. Si jamais un jour vos chemins se recroisent, je pense que vous obtiendrez une alliée puissante. Pardon. D'accord. Et le larvomerde, madame, tu sais où il est? Il peut donc se frayer un chemin dans un esprit, alors les sceaux se briseront à la pointe de sa lame. Oui, exactement, madame. Et larvomerde? Et larvomerde? Paf! Mais pourquoi ça fait ça? Mais... Putain! Quand tu trouveras le deuxième, une fin te sera accessible. La première, si je me trompe pas. Ah ? D'accord. Ah ben... Eh bien, c'était vraiment quelque chose. Un véritable combat entre deux guerriers redoutables. Tellement intense, tellement extraordinaire. C'est vraiment tout ce que j'aurais pu espérer. Merci pour tout, mon ami. Pourquoi ami avec un E ? Ah, elle parle peut-être de la menthe, ouais. Pour une si petite créature, tu as montré un vaillant exemple. Je suis sûr que nous nous reverrons. Adieu.
Mais le larvo merde! Comment on l'a? Je veux le larvo! Le larvomatique. Bon, mais je sais pas. Bon, j'ai fouillé partout, ça me saoule. On verra plus tard. Bon, ici c'est fait. Il me faut un banc. Ah putain, qu'ils sont loin les bons. Oh là là. On va essayer de rejoindre le banc et le métro. Et merde. Ah, je... Je suis dépité. Merde. Je voulais pas qu'elle meure. Elle était cool, cette fille. Le jeu en a décidé ainsi, malheureusement, j'ai envie de te dire. Et là, on est où? On descend. Mais je veux... Je voulais taper le larvo, merde. Deg. En vrai, je suis trop deg. Mais il est où le larvo merde? Carte mise à jour. Ouais. Bon. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, on va où? Où c'est qu'on va? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, on peut aller à Dirtmouth. On va voir ce qu'on peut faire à Dirtmouth. Ah là 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 là. Toi là, qu'est-ce que tu me dis? Comment tu t'en sors avec l'aventure? Blablabla. Ah. D'accord. Descendre dans ces ruines, pourquoi les choses sont tellement plus simples ici? Bah, c'est vrai. On n'a toujours pas de... De magasin. Non. Bon. Tant pis. Ici, on a quoi? Hein, madame? Non, toujours pas. Toi, héroïque, magnifique, prince gris, si sombre, si troublé. Et toi, précepte de ne les jamais faire rire de toi. Les idiots rient de tout, même de ceux plus forts qu'eux. Mais méfie-toi, le rire n'est pas une chose inoffensive. Le rire se répand comme une maladie et bientôt tout le monde se moquera de toi. Tu dois rapidement frapper à la source de cette hilarité perverse pour l'empêcher de se répandre. Ouais. Non, je voulais pas héroïque, magnifique, je veux l'autre. Je suis venu dans ce royaume pour tenir une promesse, et maintenant j'ai réussi. Cette promesse que j'ai faite il y a si longtemps, une promesse envers moi-même. Une promesse de gloire, gloire pour moi, Azoth le redoutable. Je n'ai jamais douté de moi-même, je n'ai jamais cédé, maintenant j'ai accompli tout ce que je désirais. Pourquoi je suis rentré? Attends, mais c'est son nouveau... Descendre? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Ouais. Ça pue le boss caca là. On se dirait Alice. Qu'est-ce que... Oh là là. Terrifiant, beau, puissant, prince grisote. C'est une blague? Oh merde! Ah oh, putain. Putain, il est toujours aussi nul. Hein.
Faut que je me soigne, je vais mourir. Vite. Le salaud. Je vais mourir en vrai. Je suis mort, bordel! Plein de copains. Ouais. Bah, j'y retourne, hein. Ok. Ça m'énerve de pas rebondir dessus, mais ça m'énerve. Puis ce... Putain, mais c'est quoi cette merde, quoi? J'essaye de dasher pour passer au-dessus, et ça veut pas. Genre, merci le pouvoir... Et vous pouvez passer à travers les ennemis, parce que putain... Oh, sans déconner, quoi. C'est de la merde, ce boss. Je déteste les trucs qui sont pas prédictibles. C'est incroyable, hein. Parfois tu le touches parce que ça hitbox, ça passe, et parfois tu le touches pas parce que ça hitbox, elle a dit non. Ah putain, mais c'est pas possible. Oh putain! Déjà? D'accord, bon. Facile, zéro death. Sombre romance. Ok, j'ai gagné. Ah, je peux le refaire? C'est ça que tu me disais. Ok. On va voir si ça donne autre chose. Là, ça m'a juste donné des essences et... Des essences. Et un succès. Waouh. Oh putain. C'est la même chose, ou il va changer, ou... Ah oui, magnifique, passionné, terrifiant, beau, puissant, d'accord. Ouais, super, en plus, ça bousille mon... Putain. Ah, c'est chiant, ça. Putain. Mais putain, mais... Ah, c'est chiant, cette espèce de double saut qu'il fait! Et là, il tombe juste comme ça, random. Je déteste le random dans un boss, putain. Mais qu'est-ce que je déteste ça? Salaud, putain, mais... Oh non. Putain, mais... Arrête de tomber comme une merde. Non.
Me saoule ce boss. Je déteste le random, j'aime pas quand il n'y a pas de pattern, je me fais chier. Et voilà, bim. Super, en plus il va y avoir une nouvelle spécificité, il me tarde. Mais vraiment, il me tarde. Ça a l'air bien dit comme ça. Ah. En plus, ça bouffe mon cou, c'est chiant. Putain, c'est vraiment le pire des coups, ça. Mais putain, mais... Comment je suis censé savoir qu'il va se casser la gueule, ce trou du cul, là? Oh, putain. J'étais tellement au-dessus. Vas-y, tombe. Oh là, je suis passé à travers, putain. Oh merde. Ah merde, j'avais pas vu la vague. Enfin, je l'ai complètement oublié plutôt. Putain, mais... Ok. Oh super! Un dash pour passer à travers les ennemis, n'oubliez pas. Hein. Oh, putain. Oh! Ah putain, mais... Pourquoi je peux pas taper vers le bas? Ok, il est mort. Et 2-2. Alors, voyons voir la spécificité du machin. Merde, je me suis pas soigné. Oh, le boulet. Ah mais non, c'est bon, j'atterris sur un coussin. Ah mais je reviens avec toute ma vie. Impec. Allez, voyons voir la spécificité de ce boss à la con maintenant. Est-ce que ça va être la petite grosse qui va l'aider ou... Non, ça a pas l'air d'être... Alors, comment il est maintenant? Il est assidu, irrésistible, magnifique, passionné, terrifiant, beau, puissant, prince grisote. Qu'est-ce que... Mais là, voilà la spécificité, voilà le jus d'orange. Oh putain. Elle est où l'araignée de merde là? Elle est vraiment merdée. Oh là là. Bon, ça va, je prends pas cher, ça va. Il va les rappeler ces connards là ou. Ouais! Oh, putain. Non, trop tard. Oh merde, j'avais un point de vie. Oh, mais ta mère. Voilà, le badge qui m'a régénéré, mais j'avais pas vu qu'il m'avait régénéré, ce con. Ouais, elle est sympa, cette nouvelle spécificité, c'est gentil, on aime bien. Dites-moi qu'il faut le taper que 3 fois et pas 4 ou 5, parce que sinon ça va commencer à m'énerver. Mmh.
Ah, oh, mais gros con, là. Ouais, Zota. Ah, je l'ai entendu tomber, mais j'ai rien pu faire. Oh, putain. Allez, dis-moi quand tu tombes. Ouais, maintenant. Oh, putain, mais je saute au-dessus, quoi. Ça me saoule. Ouais, Zota. Salaud. Ne me suis pas. Non, pas Zota. Il va me péter la gueule, il va me péter. Oh là là. Ah, putain. C'est bon, t'arrêtes. Ouais, Zota. Il en a fait combien? Il faut nettoyer ces araignées de merde, elles vont me faire chier, elles vont me faire chier. Tombe. Merci. Non, pas Zota! C'est vraiment le pire des... J'ai une question, il tombe à terre un jour ou je dois attendre 8 ans après l'avoir touché au moins 15 millions de fois? Tu peux passer à autre chose. Jamais! Attends, il faut le battre au maximum 10 fois. Ah ouais, merde. Ouais, en fait, ça va être relou. Ouais, enfin... Ouais. Non, je sais pas. Ça donne pas envie. Ça porte rien d'intéressant, tu le feras en off. Oh, oh, Zota, Zota. Ah. Arrête de courir. Ah. Il est où? Ouais, Zota. Oh merde. Ce coup d'estoc, quoi. Tombe. Je suis bloqué. Ah! Ah là 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 là. Zota! Oh merde. Il arrivait bien vite. J'arrive pas à le gérer. Salaud, fous-moi la paix. Tombe. Merci. Oh, bonjour. Arrêtez. Zota. Ouais, Zota. Oh. Ah. Je pensais pas avoir tué la bébête en fait. Zota. Zota. Il a encore beaucoup de vie. Ça, c'est vrai que ça fait le charme du jeu, mais... Oh, ça y est, il est mort. Ça fait le charme du jeu, mais une petite barre de vie de boss, ça serait tellement appréciable. Bon. On l'a fait 3 fois, c'est déjà pas mal, non? Ouais, on reviendra. Au revoir. J'ai eu mon succès, c'est déjà pas mal. Bon alors, regardons ce qu'on a à faire. Regardons l'effet déviant sur notre organisme.
Ouais. Et là, y a rien. Non. Ok. Regarde la maison de Zot. Il n'a pas de maison, Zot. C'est ça le truc. C'est qu'il a pas de il a pas de maison. Ou alors, je sais pas où aller. Regarde la maison de Zod, voilà. C'est très clair, c'est. D'accord. Bon, on va partir au Mont Cristal et après le Mont Cristal, on va aller voir la vieille pour les pour l'essence. Ouais, je sais, on retourne au Mont Cristal, mais je suis tellement sûr qu'on a loupé quelque chose que ça m'énerve. Genre une entrée secrète, un truc. J'en suis certain. J'en suis juste persuadé. C'est juste pas normal de juste avoir ça en plein milieu et basta, quoi. Il est où le banc? Ah, il est là-bas. Ah, faut qu'on retourne aussi dans les profondeurs de l'océan. Non, pas là-bas, mais faut qu'on retourne dans les profondeurs des trucs. Carte mise à jour, pourquoi? Qu'est-ce qui a été mis à jour? Peut-être à Dirtmouth? Non. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle soit mise à jour? Je ne sais pas. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit mis à jour? Bon, c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Allez, on remonte. Bon, à la recherche de l'endroit, ça me permettrait peut-être de monter plus haut. Et on peut pas foncer là-dedans? Non, on peut pas. On peut pas casser ça. Ce qui est bien dommage en soi. Faut se le dire. Parce qu'on dirait qu'on peut sortir, c'est ça qui m'embête. Pour être poli. On va essayer de remonter, mais vraiment vite fait. Parce qu'il y a du bruit là en fait, et je sais pas d'où ça vient. Non, c'est là en fait, c'est pas possible. Ici, il y a un bruit. C'est tous les bruits qu'il y a là, qu'il y a juste en dessous, donc fausse alerte. Je sais pas trop où je vais en fait. Enfin. Ça me ferait chier de revenir ici parce que ben, je suis désolé, mais on dirait tellement qu'il y a quelque chose à faire ici que ça m'énerve. C'est pas normal en fait qu'il y ait juste du vide et c'est tout.
va voir. On va bien voir. J'essaie de monter vite, hein, promis. C'est comme de l'autre côté. Je sais pas si on a essayé d'y aller. En vrai. Je suis tellement sûr qu'il y a des choses. C'est juste pas normal. Ah merde, je suis tombé dans le truc parce que je regardais pas. Alors, vous regardons là. Il y a bien un truc, c'est pas possible. On peut pas monter au-dessus. Non. Bon, donc ici on peut pas monter. Est-ce qu'on peut foncer dedans? Non. Non mais c'est faux. Et d'ici je peux. Merde. Non. On tombe de suite. Bon. De ce côté, c'est vraiment inatteignable. C'est ici que j'ai un souci. Est-ce que si je saute juste là, il y a quelque chose ou... Je ne sais pas. Ouais, je suis tombé là. Bon, ben en fait, c'est pas possible, il doit rien y avoir ou... Bon, je fais un dernier essai. Parce que si je vais tout près, je tombe là. Si je vais trop loin, je tombe de... Je tombe de l'autre côté, donc... Et s'il y avait quelque chose au milieu? Alors, quand tu es au bord à gauche, saute en restant près du bord. Non, je viens de le faire. Enfin, bon. C'est juste que tu... T'as dû me le dire pendant que j'étais en train de le faire. Où je vais, là? Je me trompe. Donc, je retente une dernière fois... l'ascension de cette connerie. Et j'arrête après. Bon, en une heure, on a quand même fait pas mal de choses, je trouve. Il me reste à aller voir 2-3 endroits. Et on aura fini le petit planning qu'on s'était fixé. Fonce, mais non, pas là. Donc là on fonce, mais on va pas tout au bout. Genre si on va là, on tombe forcément ici. Bon bah tant pis. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. Ça me fout un peu les nerfs, mais tant pis. J'accepte le destin qu'on m'a donné. Il faut tout jouer à destin pour changer de vie de toute façon. Alors. On va aller voir la madame pour les armes là. Pour les essences. Et après, je sais pas. On va voir. Repos éternel. Où c'est qu'il faut qu'on aille après? Oui, si, je sais. Je sais où on va aller après. Je viens de sauvegarder déjà. Quand on est con. C'est pas ma faute. Mais je sais exactement où on va aller. On va aller revoir la madame qui est à côté là pour voir si on peut la. Si on peut l'exploser ou pas. Oui, il est temps, l'aiguillon des rêves est pour vous aussi, lumineur. Il est temps pour vous deux de vous réveiller. Toute cette essence que vous avez rassemblée, l'espoir qui demeure encore dans ce royaume, un potentiel si pur. Laissez-la vous traverser, passez dans l'aiguillon des rêves. Brandissez-le, lumineur, réveillez-vous! Récupérer aiguillon éveillé des rêves. Pour charger et frapper avec l'aiguillon... Quoi? L'aiguillon des rêves est amélioré. Il peut percer même l'esprit le plus protégé. Ah, ça y est, je peux aller voir le gros machin blanc. Ouais. Ah, succès éveil. Aucun rêve ne peut se cacher de vous maintenant. Donc la grosse statue qui a...
aux terres oubliées ou je sais pas quoi. Ça y est, je peux enfin lui dire bonjour, je te déteste. Bon, on va revoir la madame là parce que c'est la seule qu'on n'avait pas. Qu'on n'a pas forcément mangé. Est-ce qu'on récupère son mana ici? Non, c'est que de l'eau. Elle là. Parce que sans déconner. Pif! Ah d'accord. Et là, elle s'est laissée faire. Espèce de pintade! Ben, c'est pas grave. Ça me facilite la tâche. Allez. Ne plus me faire chier, toi, toi. Alors, maintenant, on va aller. Ah oui, toujours. Cet endroit est toujours charmant. C'est bien. Toujours aussi charmant, j'avais oublié. À la tour de l'amour, oui. Enfin, si je pense savoir où c'est, oui. Parce que j'avais l'idée d'aller là près du frontière du royaume, mais qu'il faut pas passer par en bas, mais par en haut. On va faire ça. On va tester. Parce qu'il y a quand même une énorme porte, donc je me dis que c'est pas normal et qu'on peut faire un truc. On va en bas. Non, on va en bas, putain. Mais on va en bas! Hein, Zou? Mais non, mais. Mais s'il te plaît, mais fais un effort, ascenseur. Merde. Je crois que je fais une erreur. Ah, je fais une erreur. Cet ascenseur me donnera beaucoup de fil à retordre. Allez, descends, putain de bouffon à la con. Voilà. Bonsoir. Décidément, je prends des coups, mais tellement gratuits, quoi. C'est pas grave. Alors, où on est là? Oui. C'est là? Attends. Non, c'est en dessous qu'on passe. Bon, il y avait le banc, au pire, c'est pas grave. On s'en fout du banc, il est con, de toute façon, ce banc. Paf, paf. Ouais, parce que par en bas là, on peut pas y aller. Attends, on va vérifier parce que depuis on a fait quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut toujours y aller? Non, on ne peut pas. Bon, ben c'est pas grave, on va essayer de passer par en haut, vu que en fait sur la carte, eh ben on s'est dit qu'on peut atteindre le chemin par au-dessus. Genre là, à la Cité des Larmes, on retourne. On va faire ça. Comment je monte? Plus haut. Ah oui. Par là. Les mouches à la con. Les mouches à la con, les mouches à la con, les grosses mouches à la con, la poignée. Il voulait s'en aller. Alors, pif, pouf, paf. Con, moi. Meurs, meurs. Ouais, j'adore. Alors. Pourtant, ici, on était déjà venu. Ah. C'est là, on n'y est jamais allé. Alors. La tour de l'amour. Examinez. Une porte verrouillée et rembourrée, utilisée à la clé de l'amour. Oui. Les clés de l'amour. J'entends des larves aux merdes.
Et quelqu'un d'excité. Qu'est-ce que cette merde? C'est des bruits assez dérangeants. Toujours pas. Ça fait flipper. Oh oui, ça sent bien le boss maintenant qu'il n'y a plus de bruit. Allez, c'est parti. On va encore devoir casser la gueule aux méchants. Oh mon dieu, mais si je perds, le banc, il est tellement loin. Oh, j'ai intérêt à réussir. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Le collectionneur. D'accord. Oui, calme ta joie. Ok. Il est bizarre. Non, pas les mouches. Alors la musique est vraiment bizarre. On dirait qu'elle vient de vomir. Il est nul. Il est nul ce boss. Il se passe rien. Je lui fais des dégâts au moins. Parce qu'on dirait que ça passe au travers. Ouais, c'est en fait, on dirait les âmes comme les Géraldines en fait. C'est bizarre. Je peux pas me soigner, putain. Je viens de comprendre le but du combat, c'est que je peux pas me soigner. Ce qui est très con. Ok, il est mort. Attends, je vais me soigner. Meilleur bruit de tout le jeu, ouais, je pense. Je pense qu'il y a un truc à faire. Ah non, fallait juste le martyriser à mort. Il y a vraiment des choses bizarres dans le jeu, sans déconner, quoi. Ah, objet, succès déverrouillé, obsession. C'est la obsession. Ouais, larve aux merdes. C'est ce qui me manquait. Et là, il y a un symbole. Toi, larve aux merdes. Mi, 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 mi. Et là, c'est quoi, ça? Prendre carte du collectionneur. Maintenir LB pour afficher une carte de la zone actuelle. Les emplacements des larves emprisonnées seront affichés. Oh, putain, oui. Oh. Il y en a une là-bas. On la voit. Mais c'est trop bien. Je vais avoir toutes les larves aux merdes. On va pouvoir les faire... Ouais. L'item du boss est utile. En effet... Putain, c'est cool ça. Bon, on aurait dit qu'il était en train de s'accoupler avec un larve aux merdes, ce boss. Il était bizarre. Et puis ça s'appelle peut-être pas la tour de l'amour pour rien. Enfin, je sais pas, c'est flippant. Et comment j'ouvre ces portes? Ça y est. C'était comme ça qu'on ouvrait ces portes à la con. Fini de visiter la tour quand même. Ben voilà, c'est fait. Ah non, il y a peut-être un truc. Je sais pas. On va voir sur le banc si... Putain, il y a plein de larves aux merdes qu'on a loupé en fait. Je vais prendre celui-là. On va retourner à Dirtmouth pour dire bonjour aux larves. Il est où? Il est après. Ah, au moins ça répondra à ma question de où est le larvomère des jardins qu'on a entendu mais qu'on n'a jamais pu trouver. Les jardins de la reine, là. Alors, il est où? Putain, mais il était pas loin, en plus. Comment on l'a loupé? Il est censé être là. Il est peut-être dans la maison. Oh, il est là.
Mais alors, sur la carte, excusez-moi, c'est vraiment pas un endroit très précis, hein. Bon, maintenant, on se fait chier. J'avais oublié qu'il cognait fort. Oui, larve merde, oui. Oui. Larve merde. Ah, c'est génial. Allez, on s'en va. On va à Dirtmout. Ah, c'est trop bien. On peut savoir où sont les derniers larves d'aube. Alors, on fait ça. Carte mise à jour. Voyons la carte de la... Ah, je peux pas. Attends, si. Carte de la cité. Ah ouais, la tour de l'amour. C'est bon, je pense. Et il nous manque beaucoup de larveaux. Oh là là, il y a un endroit complètement random, là. Non, chez les araignées. Ah, il y en a vraiment un, là. Mais putain, mais comment je peux aller le choper? Attends, il nous en manque que 3 dans tout le jeu. Putain, on a géré. Pardon, j'ai géré. Wow. Je suis impressionné par moi-même. Je suis trop content. Bon, on va aller chercher les derniers larves aux merdes, et puis voilà. Je suis content. Hein, monsieur, oui. On va dire tout. Oui! Juste pour le plaisir. Comme ça, au moins, on va y aller, et s'il fait oui, eh ben, vous pourrez isoler le son, et vous pourrez en faire des sonneries de téléphone. Je dis ça pour personne, absolument personne. Allez, go. On y va vite fait. Qu'est-ce qui me reste sur mon... Sur mon... Comment ça s'appelle? Ah. Sur mon petit post-it. Oh oh. Bon, on le laisse parler. Oui. Oh merde. Tellement d'argent. Tellement de larves aux merdes. C'est bizarre parce qu'on voit pas de trou vide. C'est pas grave. C'est déjà pas mal. Bon, ensuite, est-ce qu'il y en a un qui est tout prêt? Parce que j'aimerais bien aussi aller dans les voies royales. Parce que je suis certain d'avoir loupé quelque chose. Et en plus, je sais exactement où. Ah, mais quel con! Hop. Donc là, faut trouver comment. Parce que là, je comprends pas. Et là aussi, il faut trouver. Donc, on va d'abord s'en aller... Oh, sans déconner, j'ai pas envie d'aller au nid profond. On va aller chez la reine. On va essayer de trouver, parce que je sais pas, moi, où il est. Ce con de larve aux merdes. On l'a entendu, mais je pouvais pas passer à travers, ni rien. C'est quand même étrange tout ça. Peut-être en passant par au-dessus. Alors par au-dessus, tu veux dire... Oh bon, attends, on y va et... Alors, station de la reine, c'est ça? Non, jardin de la reine. Non, au-dessous. Hein? Au-dessous de où? Bon. On va voir. Apparemment au-dessous, donc, c'est-à-dire vers... vers là-bas, là? On a loupé un chemin? C'est pas impossible, hein, mais... Il y avait quoi, là, ici? Ah oui, le... La bouboule qui faisait des trucs bizarres, bref.
Genre, y'a un truc par là? Ah, merde. Donc on a loupé un truc par là. Merde, je suis retombé, mais quel bouffon. Donc au-dessous, au-dessous, donc vers là-bas. Et on essaie de remonter, bon, on va faire ça. Ah, j'ai oublié ces araignées buissons. Ces araignées buissons-ils. Il y a peut-être deux... Oh merde, la fleur. Ça l'a pris. Il y a peut-être un truc ici. Perdu. Ah. Il y a peut-être un truc là, j'en sais rien. Non, là, il y avait juste une fleur. Il y avait un journal du voyageur. Faut qu'on trouve une entrée vers le haut. Bon. On va voir par là. Ah, putain. D'accord, ok. Ah ouais, putain. Mais ça, pour le voir, merci, quoi. Ah, t'étais là, larvon. Merde, t'étais là. Ok. Je peux pas passer. C'est con. Bon, c'est pas grave. Alors, on va remonter. Parce que même s'il y a des fleurs, je veux voir si... S'il n'y a pas des trucs cachés. Encore un badge, j'en sais rien. Non. Bon. Bon, ben ça, c'est trouvé. Allez. Plus que deux. Et on passe par les jardins de la reine pour redescendre. On va faire ça. Excusez-moi, mesdames, pardon, merci. Non, il n'y a pas de passage là, ok. Bon. On va redescendre. Ouais. Paf. Patrick Buisson. Ok. On l'avait vu ça? Je pense. On revient au métro et on regarde le chemin à prendre. Hop. En vrai, je vais faire la pause maintenant. Comme ça, moi, je vais regarder où aller. Et donc, exclusivité, pendant la pause, je vous mets la reine de la semaine dernière. Que j'ai enfin réussi. Donc, bon visionnage. Vous n'aurez que le son du jeu. C'est cadeau, c'est bonheur. Allez, à tout à l'heure, les gens. Paf, je vous mets ça. Si ça fonctionne... Ça a l'air de fonctionner. Si, ça fonctionne. Allez, à plus tard.
Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y avait rien au dernier étage du Colisée. Donc c'est la PLS. Allez, on va arrêter la petite vidéo là. Il se passe absolument rien après. Non, je m'assois sur le... Voilà. Bon, on est content, hein? N'est-ce pas qu'on est content? Hollow Knight, oui, on reprend ça. Ça, je le ferme parce que je n'en ai plus besoin. Désolé, je fais mes courses. Ok, on reprend. Donc, ouais, l'arène, c'était une belle en tube. Pour être poli. On va descendre dans le nid profond par là. Comme ça, au moins, je vois ce qu'il y avait ici. Et on va chercher l'Arvomère de 1, l'Arvomère de 2. Je sais pas comment on a accès au Larvomère de 2 là en plein milieu de mon écran. On verra. Et après, on va aller ben, lancer la fin du jeu hein, après la Larvomère, je pense. Ah non, il faut qu'on aille d'abord dans les voies d'eau royale. Ok, bon, on fait ça. On va d'abord aller dans le nid profond et les voies de l'eau royale. GG pour le colisée. Ouais, enfin GG, mais pour rien. Donc, je suis partagé. J'étais très content. Et quand j'ai vu que la récompense était de la merde, ben, j'étais un peu moins content d'avoir passé des trails et des trails sur cette merde pour rien. Mais merci, j'apprécie le geste. Monsieur GG King, GG qui s'appelle Dracon. Voilà. Merde. La 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 la. Ok. Donc on descend dans le Deep Nest, le retour de la PLS, des araignées, tout ça, enfin bref. Ici, il n'y a vraiment pas d'ouverture. Ok, merci. Non, là, on peut vraiment pas y aller. Bon. Merde, des pics encore. Des araignées encore. Ah mais attends, il y a un trou là. On y est allé là? Oui, on y est allé. Bonjour! Toi, tu nous avais rien donné et tu servais à rien en fait. C'est dommage, en vrai. Tu pourras afficher la map. Ouais, dès qu'on arrivera près du Larvomère, promis, je te mets la map. J'essaie de voir si j'ai une bonne mémoire déjà. Par rapport à là où il faut aller. Attention, la map dans 3, dans 2, dans 1, paf la map. Ok, donc on descend là, on monte là et après on voit ce qu'on a. Ok. On essaie de faire abstraction des araignées, hein, n'est-ce pas? Les fameuses saloperies ambulantes. Alors on est où là? Ah, ok. Attends, 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 il y a un truc là. Il y a des pics. C'est une blague? Non, c'est pas possible, il n'y a pas que ça. Mais on voit un truc là. Non, il n'y a rien. Bon. Ok. Merde! On est bien là, ok. On avance tranquillou, loulou, loulou. Paf. Donc il faut vraiment viser en haut à gauche, ok. Donc déjà, ici c'est pas bon, là. D'accord. Ah
Alors, on est où? On y est près, là, du Harvo. Il est là-bas, putain, on l'avait. Ah ouais! Comment on fait, là? Oh, je sais. Bonjour, larve merde. Ok, c'est un vrai. Parce que s'il faut, on a... Alors, ensuite, on monte. On passe à droite. Parce qu'on sait jamais s'il faut la carte de larve merde nous affiche info. Mais je crois que ça a été une fois ou deux et ça n'a jamais été repris, donc je sais pas. On verra. Bref. Ensuite... Là, faudrait aller à droite. Putain, j'ai vraiment du mal à ma gauche et ma droite. Par contre, on va soigner un jour parce que là, c'est pas cool. Ah, je pense à quelque chose. Un charme qui révèle la forme véritable d'une en son porteur. En canalisant l'âme, son porteur change de forme et peut se déplacer librement à travers les ennemis pour les éviter. Putain, c'est vachement fort. C'est vachement fort, mais on n'a pas assez d'espace. C'est dommage. Soit dit en passant. Ok. Donc on va là. Maintenant, on essaie de monter. Mais merde! Mais monte, espèce de petit con! Ensuite, on va vers où? Ah merde! C'est pas par là en fait. Je ne m'en rends compte. Si? Je sais pas. On va voir. Non, parce que là, je vais... Oh non, je vais là où c'était pas très très cool. Ah! Attends, mais... Alors, on est où? Il faut qu'on monte et qu'on aille à droite. Mais c'était pas là où j'ai fait une PLS ultime parce qu'il y avait des scolopendres et oh on a raté un truc là-bas. Sans déconner, non. C'est pas cool. Non, c'est pas là. C'est là. C'était là ou c'était pas là? Parce que si c'était là. Ah si c'est là PLS. Wow. Non, c'est pas là. Ok, donc c'est une bonne nouvelle. Faut que je trouve une sortie vers la... Vers la droite encore. Enfin, pas une sortie, mais... Putain. Ah bah c'est là. Ok, cool. Donc là, il y a un larveau. Il a pas l'air d'être tout seul, c'est bizarre. Putain, je le savais, quoi. Bon, là, c'est encore un faux. Donc, celui d'en dessous, c'est encore un faux. Ça monte au mur, ça. Succès déverrouillé, métamorphose. Ah, c'était le vrai! Ben, toi, je vais pas te péter la gueule! Bon, allez, si. Pour le fun. Voilà! Ok, métamorphose. Bon, ben, je vais repartir de suite voir les larvaux. Il faut que j'aille dans les bassins, dans les canalisations du roi, là, ou je sais pas quoi. Donc, on va... Putain, j'ai eu peur que ça soit tout blanc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, hop, carte mise à jour. S'en fout, en vrai. Hop, on part de suite à Dirtmouth. On va dans les canalisations pour aller voir un boss.
Dans les canalisations, il y a un boss. Et après, on s'en va vers la fin du jeu, parce que ça ferait du bien un peu de... Vu qu'apparemment, il y a plusieurs fins, donc je me dis pourquoi ne pas lancer la première fin maintenant. Parce qu'apparemment, je me suis lancé dans une quête un peu avide de pouvoir et... Et c'est pas cool. Bon alors, voyons la récompense des larves aux merdes. Oh oh! Oui! 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 Examinez. Larve mouche et légie. Ah, c'est des larves de mouche. Oh, les larves aux merdes étaient des mouches, nous le savions depuis le début. Tintin. Alors, voyons voir. Mais. Il nous manque un truc là, il nous manque un pouvoir. Genre ça, il nous manque un pouvoir. Ça, peut-être qu'il nous manque un pouvoir. Et là, il nous manque un truc. Ah merde! Oh non, j'aime pas ne pas tout finir. Donc là, il nous manque peut-être un truc. Ah, la déception. Il nous manque deux quarts de cœur aussi. Donc c'est quoi ce qu'il nous a donné? Alors, un charme qui recèle la gratitude des larves en pleine transformation. Confère une force sacrée à une arme. Quand le porteur possède toutes ses vies, il peut tirer des faisceaux blancs d'énergie de son aiguillon. Ah, la belle référence à Zelda. Mais on va pas le prendre. Mais c'est tout? C'est tout ce qu'il donne? Ouais, apparemment c'est tout. Bon. Ben, on a sauvé les larves, on est heureux. Alors, ensuite, on fait un dernier aller-retour. Pour aller au machin. Aïe. Il me manque des badges. Pff, ça m'énerve. Je me dis que normalement, vu qu'on approche de la fin, je serais censé tous les avoir. Mais bon. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors. On va... Ah merde, comment ça s'appelle? C'est une bonne question, ça. Comment ça s'appelle? Les voies d'eau royales. Ah, mais il n'y a pas de... Ah, ben il faut aller à la station du roi. Non, même pas. Si. On va à la station du roi. Jardin du roi, c'est... non, station du roi. Je me disais, attends, je trouve pas le machin. Ah là 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 là. Ok, go. Pokémon, go. Donc on va dans le bassin ancestral, oui, c'est bien ça. Bah bah. C'est quoi ça déjà? Ah oui, elle. Pantera. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle était bizarre. Oui, c'est bien au bassin ancestral? Non, je dis peut-être une connerie, sans déconner. Bon, on va voir. De souvenirs, oui. J'aime pas, il me manque des pouvoirs. Ça m'énerve. Oui, c'est là. Donc là, c'était chez le bousier. Non, hein, chez le bousier, il y a un nouveau boss. Bah non, il y est pas. Bah merde alors. Je me serais trompé. Je me serais fourvoyé. Ouais, il doit être quelque part, mais où? Ah, je me suis peut-être fourvoyé. Il est peut-être au-dessus. Je me serais peut-être fourvoyé.
Merde! Ou alors c'est là-bas dans l'espèce de caverne. Ah, je sais pas trop. Merde, j'avais oublié ce monstre. Ah, je me suis peut-être fourvoyé, j'aime pas trop. Merde. Genre là au-dessus. Ah, c'est con de perdre du temps là-dessus, quoi. Genre là, il y avait quoi? C'est pas là? Oh, lui! Tuc! Oui, je t'achète de la nourriture, tu me donnes quoi? C'est quoi, Anna France? Oh, Taras! Ouais, on va lui donner. Bah, de toute façon, on a que ça à foutre de notre fric, mais. Mais je sais pas si on peut l'acheter, Vitam Eternam. Ouais, 2 oranges. Et là, 88. Pourquoi le prix change? Me dis pas qu'il y en a 80 à acheter avant qu'il donne quelque chose. Combien? 96. Non, je pense qu'elle doit avoir quelques œufs et après elle peut me donner quelque chose, j'imagine, non? Ça m'étonnerait qu'elle me file que des oranges. Ouais, je sais pas, elle est trop bizarre pour que. 100. Elle donne que des œufs? C'est chiant. Elle te donne des œufs jusqu'à ce que tu en aies max 80. C'est une blague, et après elle donne quoi? Elle donne rien? Parce que des œufs, j'en ai 30 et quelques, je crois. Hein. Oh, j'en ai 20! Elle donne rien d'autre? Elle donne rien d'autre, bon. Bon, bah si elle donne. Si elle donne rien, tant pis. Bon. Eh ben, on s'en va, ça sert à rien. Bon, il est où ce boss du bousier là? Numéro 2. Quel est le monsieur? Parce que je sais pas du tout où il pourrait être, moi, en vrai. Là, ouais, c'est les égouts. Mais il est où? Pour la première fois, rendez-vous dans un temple d'œufs noirs. Bah oui, c'est normal, c'est le dernier truc qu'il me reste à faire. Je cherche le bousier. Pas besoin de quoi que ce soit à ce stade, d'accord. C'est pour les autres fins qu'il faut autre chose. Ok. Oh là. Adonde esta el bousière. Les bousières des rafières. Oh, c'est pas grave. Où c'est qu'il pourrait être ce con? J'en ai aucune idée. Vu que c'était un spectral. Je sais pas du tout où il pourrait être, le spectral bousier. Spectral bousier. Peut-être là-bas, je sais pas. Tourne en rond. Je tourne en rond le bousier. Adonde esta el bousière. El bousière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Thank you.
où c'est qu'on peut monter? A donde esta el bousier? Oh fuck! C'est peut-être là-bas. Je suis con, ça fait deux fois que je fais la même connerie. Oui. Mais où est le bousier? Où est le bousier, notre ami pour la vie? J'ai bien fait. Ah là là. Donc là, il y a un autre. Le petit bousier, c'est notre ami Paul. Oh, à la France. Peut-être là. Moi, je pense que c'est dans la petite baraque, là. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je tourne en rond. Ah, mais non, là, on était déjà à Reine des Voies Royales. Mais j'y suis déjà allé, il n'y avait rien. J'ai peut-être oublié d'activer quelque chose, tu vas me dire. Oh non, faut que je m'en tape tout le chemin. Faut que je m'en tape tout le chemin. Ah ben là, on revient chez la gonzesse. Via les rêves. Oui, j'aimerais bien. Mais j'ai pas vu de mort. Ou alors, c'est moi qui ai mal vu, mais... He can be found by dream nailing the sleeping dunk defender under his boss arena. Under his boss arena. Ok, d'accord. Under this boss arena. Mais c'est en dessous de ça, mais où? Là, je suis dans le boss arena. Et en dessous? Dessous, c'est-à-dire vers là-bas. J'ai pas plus d'infos. Bah c'est con ça. Faut que je trouve un chemin pour aller en dessous. J'essaie d'écouter s'il n'y a pas un sol cassable. Tu m'as dit en dessous. Donc les reines du bourg sont là. Ça on l'a vu. Et maintenant faut qu'on aille en dessous. Donc par là. Ah mais là je descends trop là. Sur la map complète, j'ai pas de salle secrète. Ah merde! Sauf qu'on y est allé dans la salle du bousier, il y avait rien. Bon, bah tant pis, ça veut dire que je peux pas l'atteindre, j'en sais rien. Ou alors, il y a un corps là et je l'ai raté. Genre là, il y a un truc, non? Alors. Alors, to access him. Ce player must have defeated Dunk Defender and all three Dreamers. Oui, ça c'est fait. Use Desolate Dive on the floor near the switch at the far right. Ah, d'accord. Ok, bah en fait, fallait bien traverser le sol. Sauf que bah, il n'y avait pas d'indication pour le faire. Bon, ok. Ben, bah, on y va. Here the player will find the defender. Ouais, bon, ça c'est pas grave. J'espère qu'il va pas nous casser le cul. Ça me ferait chier qu'ils soient plus forts que. Ah, tu vas me dire, ils sont toujours plus forts que leurs congénères, mais.
Attends, quoi? Qu'est-ce que t'as écrit? Gna gna gna, it can be fought infinite amount of time. Ben, c'est comme. C'est comme ce gros con de Tosk, là. Donc, près du switch. Le switch, il est là. Le switch, il est là. Et donc, attends, il y a écrit quoi? Near the switch at the far right end of this boss room. Ici. Je peux plus le faire. At the far right end of this boss room. Oui, Baba, oui. Je prends des dégâts exprès pour charger le mana. Commencez pas à dire que je crains tout ça. Ou c'est là? Non, ça m'étonnerait que ça soit dans cette salle. À the far right. Right, c'est droite. Je confonds pas ma gauche et ma droite. Et je peux plus le faire. Putain! Est-ce que les monstres repop? Oh, ils repop pas. Il faut du mana. Bon, au pire, tant pis, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est relou. Ah, mais là, on va bien charger notre mana. Viens, petit, viens. La plateforme où il y a le truc vert? Non, ça m'étonnerait. Genre, qu'on prenne d'abord. Genre, là? Enfin, qu'on se mette là et qu'on. Non. Ou sur la plateforme? Non. Non. S'il faut ça en dessous. C'est complètement con. Là, il n'y a pas de monstre, c'est con. On va essayer de trouver des mobs. Ça m'embête de passer du temps là-dessus. Mais qu'est-ce que ça m'embête? Surtout que les monstres ici n'ont pas des masses. Bon, j'ai une chance. Passage sous la plateforme, d'accord. Bon, bah, j'ai assez de mana. Si je me plante, c'est mort. Genre vraiment au milieu de la plateforme, parce que si je me rate. Putain, c'est gros con. Au lieu de dire near the switch, ils pouvaient pas juste dire under the switch. Bon, c'est pas grave. Donc tu valides 100%, c'est sous la plateforme. Allez, bon, je teste. Ok, c'est là. Ouais! Une idole du roi, super. Et donc il est là, ok, super. En espérant qu'il soit pas trop difficile. C'est parti pour le dernier boss avant la fin du jeu. Oula, oula, où on est là? Non, je vais aller voir de l'autre côté. C'est joli. J'aime bien quand c'est joli. Bon, allez, c'est parti. Oula, mais il y a tout le monde derrière, c'est quoi ce bordel? Protecteur blanc. Enculé! Ah, c'est vrai qu'il fait mal. Doma, 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 doma.
Oh là là, dommage, je sais. Il fait hyper mal! 1600 de vie! Super, c'est plus que l'autre con de tout à l'heure, quoi. Oh la vache, mais comment je vais tuer cet enfoiré? J'ai même pas de banc à côté pour changer de badge en cas, quoi. C'est débile. Y'a même pas un banc là, ici. Ah, il a l'air compliqué. Hein. Il peut être très simple. Faut juste que je me mette bien à distance. Oh là! Waouh! Merde. Si je me mets bien à distance et que je le laisse balancer ses boules de merde et qu'après je saute pour éviter qu'il me planche dessus. Ouais, voilà. Ok, bon. Tu peux utiliser les charmes cassables sur lui, il se pète pas. Oui, sauf que le banc est loin. Le banc est trop loin. Oui, je sais. Je sais qu'il y en a un qui est complètement niqué de la tête, qui fait le double de dégâts de ce que tu fais d'habitude. Mais... ou le triple, je sais pas, mais... Ah merde, il replonge. Ah, arrête. En vrai, je peux me soigner sur cette phase. Ah merde! Quoi, Waka? Depuis quand tu fais Shakira, mec? Oh merde! Mais... Super, merci. Ah! Il s'énerve. Il va faire que ça? Non, c'est bon. Oh putain, Waka. Non, mais arrête de faire Waka! Oh merde! On voit des boules! Oui! C'est bien, on voit des boules de gras là. C'est des boules de merde. C'est pas un bousier pour rien. On se soigne. Ne me fais pas chier, ok, c'est bien. Ah, Hugo Boss, il a dit yes! Succès déverrouillé, souvenir. Bon, ça va, je l'ai fait en 2-3 fois. 2 ou 3? 3 peut-être. Oui, je t'ai tué devant tes admirateurs qui viennent de disparaître. T'es pas deg? Ah, t'es deg? Bah, t'as lu. Zéro death. Environ 70 coups. Ah oui, je l'ai mis... Ah, mes amis, je protégerai notre royaume, ayez confiance en moi, mes amis, nous serons tous réunis. La ok. Ouais, des essences. Ah merde, c'est vrai, tu m'as dit qu'on pouvait le refaire. J'ai oublié ce petit détail. Mais ça fait quelque chose de devoir le tuer plusieurs fois, ou... Bah les couilles, frère. Oh putain, il est encore plus blanc. Protecteur blanc. Waka!
Ah merde. Enculé, oui, il enlève 2 points de vie. Ah, enculé, il tape fort. Ah, le bâtard. Aïe. Oh la vache. Ouais, Doma. Dona. Merde. Enculé, mais... Excusez-moi, monsieur, vous êtes insupportable. Non! Tant pis. Bon, c'est tout, en fait, il fait rien de... Ouais. Bon, on l'a tué une fois, c'est bien, on a eu notre succès, on est heureux. Allez, on se casse et on va vers la fin du jeu, tralalalala. Alors, où c'est qu'on y va? Moi, je sais. On va pas se faire chier. Ok. Ouais, carte mise à jour. Bling. Attends, parce que carte mise à jour, mais... Il me manque tellement de badges. 1, 2, 3, 4. En fait, il m'en manque 3 pour avoir... Comment elle s'appelle celui de la grosse. Bon, c'est pas grave. On va aller de suite aux routes oubliées, en fait. Et on va essayer de se débrouiller pour arriver à la fin du jeu.